Coucou, coucou, c'est les successeurs, de Disney. Pour encore une petite vidéo bonus. Encore. Encore et encore. Donc il s'agit de quoi ? Donc on va vous faire un petit quiz en direct. Donc on a trouvé une page, c'est Quel méchant es-tu ? On va le faire chacun notre tour. Voilà, donc je vais te laisser commencer. Donc Quel méchant es-tu dans les Disney, bien sûr. Donc n'hésitez pas vous aussi à le faire, il y aura le lien dans la description, juste en dessous. Et dites-nous dans les commentaires sur quel méchant allez-vous tomber. Vous êtes tombé. Alors voyons voir, princesse. Première question. Alors, ma phrase favorite c'est: la vie est malheureusement faite de choix douloureux. Je sais déjà qui parle. Je suis entourée d'imbéciles. Miroir magique au mur, ça va être facile. Ça, hein. Les princesses adorent les princes qui ont de l'or. Ouais, après peut-être que les questions seront plus dures, mais bon, toi, quelle est ta phrase préférée ? Moi, je dirais la dernière. Les princesses adorent. J'adore les passages en plus, donc. Après. Alors, mon accessoire fétiche. Une couronne, un chapeau voyant, un bâton magique, une cape. Une cape. Ah, tu vois, ça commence à être un peu plus dur. Ouais. Je ne pourrais pas vivre sans intimité, un royaume sur lequel régner, mon bateau, mon fidèle bras droit. Moi je vais dire intimité, je suis une fille. Les gens me disent appliquée, fougueuse, autoritaire, égocentrique. On va dire appliquée. Je me lance des fleurs là. J'adorerais vivre en Allemagne, en Italie, en Grèce ou en Angleterre. Plutôt Angleterre. Mon boulot de rêve c'est marin, reine, magicienne, mannequin. magicienne, tiens. Pour l'instant, je dis comme toi. C'est vrai. Donc, ça évitera de faire le test deux fois. Ma couleur préférée: violet, rouge, bleu ou noir. Alors là, on va pas dire la même chose, mais je vais dire le bleu. Ah, c'est sûr. Je ne peux pas m'empêcher de chanter en chœur quand j'entends peignons les roses en rouge, du plus éclatant des rouges. Lord Virginie, le grand génie du mal ou infernal. Bah, la première, les roses. Peignons les roses en rouge. C'est vrai que c'est pas une vraie musique, mais non, excellente. Non, j'adore. Moi, toutes les musiques d'Ali, j'adore. Mon dessert favori, c'est la tarte aux citrons. Oh, c'est bon ça. Les crêpes. Ah, oh, c'est bon aussi. La pêche mais. C'est bon. La tarte aux pommes. Tout est bon. Je vais dire tarte aux citrons quand même. Mais les crêpes sont bonnes aussi. Question numéro 10. Pour moi, le bras droit idéal doit être rusé, sarcastique, fort, rapide. Rusé. Tu es Ursula. Ah non. Tu as un excellent contact avec les animaux, surtout les poissons. Et tu adores passer du temps dans l'eau. On dit de toi que tu es pleine de fougue. Pas ouais. Trop, à noter ton rire est terrorisant. Mon dieu, surtout quand je fais maléfique. Et ben voilà pour Princesse. Alors... du coup, bon, je vais pas couper, je vais le refaire moi-même, et puis sinon la vidéo sera trop courte. Donc ma phrase favorite c'est: la vie, malheureusement, est faite de choix. Ça, je sais que c'est Ursula qui le dit. Je suis entourée d'imbéciles. Je crois que c'est Isma. Oui, je crois que c'est Isma. Mais c'est bizarre parce qu'il y a la queue conque autour d'elle. Non, peu importe. Non, miroir magique au mur, on sait très bien qui c'est. Et les princesses adorent les princes qui ont de l'or. J'aime bien parce que, comme c'est sarcaste. Enfin, un peu sarcaste. Voilà, c'est pour ça que je préfère cette ce passage, phrase aussi. En plus, la façon dont il le dit, c'est au mode. Oui, bah oui, en plus, c'est c'est quand il est déguisé. Ouais. Les princes adorent les princesses qui ont de l'or. Mon accessoire fétiche, une couronne. Si on est dans les succès de Disney, oui, mais bon, là, on parle du vrai. Un chapeau voyant, un bâton magique. Oh bah, un bâton magique. Je ne pourrais pas vivre sans intimité, un royaume sur mon bateau, mon fidèle bras droit. Je veux dire sans toi, donc mon fidèle bras droit. Les gens me disent appliquée, fougueuse, autoritaire, égocentrique. Alors il faut que tu m'aides, parce que je ne suis pas sûr. Vous allez me prendre pour un cancre, mais je ne suis pas sûr de ce que veut dire fougueuse et égocentrique. Bah, sûr et certain. Enfin, égocentrique, c'est tout tourne autour de toi en gros. Oh non, alors. Non. Et fougueuse, c'est t'as de l'entrain, du. Alors, je dirais appliqué. Je fais, enfin, du moins, ça dépend pourquoi, mais en général, quand j'aime vraiment quelque chose, je fais vraiment attention, donc j'irai appliqué. J'adorerais vivre en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Parce que c'est très cool, c'est petit, ouais. Il pleut beaucoup. Il y a plein Mon de boulot boutons. De rêve, c'est magicienne. Et c'est un truc pour les filles, en fait. Ouais. Ma couleur préférée, le violet. Je ne peux pas m'empêcher. Lord de Virginie, j'adore. Le grand génie du match infernal, j'adore. Mais sérieusement, peignons les roses en rouge. Elle est trop bien. Quand j'ai refait la maison, j'étais peignons les murs en rouge. Mon dessert favori. Alors, j'ai trop mangé de crêpes petit. J'ai pas vraiment. Je crois que j'ai jamais mangé de pêche-mêle bas. La tarte aux pommes, je suis pas fan. Donc, c'est comme toi, la tarte au citron. Pour moi, le bras droit idéal doit être rusé, sarcastique, fort. Ah bah, sarcastique.
C'est obligé. Tu es Jafar. Ouais, un de mes méchants préférés. Donc t'es Ursula, je suis Jafar, voilà. C'est bon, ça me convient parfaitement. Et toi, désolé. Désolé, il te manque 200 kilos. Ouais. Donc voilà, vous aussi faites le test qui sera donc dans la description et dites-nous ce que sur vous êtes. Sur quel méchant vous êtes tombé. Et si ça vous convient. C'est bien rigolo. Allez, à plus tard. À plus tard. Les amis, vous êtes déjà partis? Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo de Prince et Princesse, pensez à vous abonner. Ah, bonjour, je suis Jiminy Cricket. Je suis ta conscience. Si tu veux un bon conseil et que tu aimes vraiment Disney, tu devrais t'abonner à cette chaîne. À bientôt les amis, et surtout, sortez couverts.